On ne parle que de ça depuis des jours. C'est le match que tout le monde attend. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jour. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Et ce match de Serie A, le plus au stade, on sent l'ambiance des grands matchs. L'attaque aux côtés de Belotti.
l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Votre regard sur la perte. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place en jeu. Victoire 1-0.
Il reste du temps. La fin de match va être passionnante. Oui, parce que jusqu'à présent, les défenses avaient été les grands protagonistes de cette rencontre. Parce que l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de faire perdre l'adversaire. Caractère, admiration, volonté, persévérance, répétition, encore et encore. Et à la fin, la récompense. Quel travail! Quel but! La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. La fin de cette rencontre et c'est donc un match nul. C'est bizarre comme vous dites en français, un match nul. Comme si c'était forcément un mauvais match. Et non, on préfère gagner que faire égalité, c'est normal. Mais le sport, ce n'est pas toujours battre l'autre, c'est aussi partager les points, comme aujourd'hui.